Laurent Amad, bonsoir. Merci parce qu'on a accepté de répondre à une question. Nous sommes dans l'émission Boucate la parole. Et Laurent Amad, un an et après l'assassinat de Jovenel Moïse, nous connaissons que vous avez communiqué à Jovenel Moïse de très souvent pendant le président de la République. Là. Mais avant tout, bon, Mando, Laurent Amad, qui relation avec Jovenel Moïse? Qui est la première fois où rencontrer Jovenel Moïse? Premièrement, et m'a salué Guéry Henry, m'a salué tout le monde captain de yo, et à la Wanbade, tout le monde captain de la diaspora, m'a un gros following dans Chili, dans Brésil, dans la République Dominicaine, États-Unis, m'a salué tout le monde, et m'a fait un pile parler, mais je dis à la, m'a accepté l'invitation pour m'a parler dans Allo Henry, et parce que son gros jour, son gros semaine, dans l'histoire pays. Et donc, pour question et qui relation avec Jovenel, nous avons dit que c'était des relations empreintes de respect, de cordialité et une relation amicale. Je dis respectueuse tout, et parce que je suis venu dans Jovenel Moïse, un monde qui était déterminé. Un monde qui pas vle camper sur route, qui t'a mené un combat. Et un combat que en pile fois il t'a dit que t'a tué pour lui. Mais moi vinn respecter l'homme lui-même parce que moi que Jovenel t'est décidé pour le abouti, pour le aller jusqu'au bout. Non société côté que l'abolotisme vient nous professionner pays a et bien Jovenel lui-même t'est paré pour t'est mourir pour cause là et comme de fait il a assassiné donc pour ça moi vinn wè Jovenel jodi a tant qu'un géant et libéral sorti tant qu'un un pi grand président dans l'histoire pays a parce que le bail la ville pour cause l'étape défendre. Dans quelle période Laurent Lamotte ou rencontrer Jovenel Moïse puisque me songe le Michel Martelly a fait choix de Jovenel Moïse époque ça où t'es gantin qui t'es primature là et où t'es gantin dans d'autres structures et qui compte ou rencontrer pour la première fois. Bon, m'ai rencontré Jovenel pour la première fois depuis en 2013 et c'était un ami à l'époque qui relait Alexandre Akarias et qui était venu avec Jovenel Lacaille et l'homme premier ministre et Jovenel à l'époque il t'a parlé de différents projets qu'il était gagné parce que l'époque ça à l'époque quand même connait d'abord le président et moi-même non plus c'est-à-dire que moi-même était en fonction de ça et moi rencontré Jovenel monsieur était vraiment font bel impact sur moi ça veut dire son nèg qui était grand énergie qui était vle qui était déterminé pour projet que il t'a fait son monde qui était excessivement tout et quoi dans idée lui quoi dans ça il t'a fait époque ça c'est pas même dans politique hein parce que il t'a parlé de projet agricole il t'a parlé de différents projets et tout donc vraiment et c'était première fois que me rencontrer Jovenel m'te font bon temps baba là avec après ça et plusieurs fois j'étais venu même parler avec et moi-même j'avais besoin tout prendre sens différents monde avant que m'étais ba un support éventuel et me kadou que Jovenel t'ai gagné projet que t'ai gagné pour pays a projet et surtout et ka di c'était des projets innovateurs ça veut dire que il était venu avec il était toujours un rêve pour le débarquer en 24 sur 24 il était un rêve pour le faire route dans pays il était un rêve pour aider ça puis pas gagner yo puis malheureux yo donc et dans tout candidat yo même parce que c'est Jovenel qui était pratiquement comme tu ouais qui était gagner un plan pour pays a en tout cas à l'époque qui était impressionné moi donc m'te décidé tout pour que m'te pour m'te ballon push dans ça m'te ka faire m'dil ça tout justement et mais
Livin président de la République, li intronisé. Et début Jovenel comme président de la République, mis à part on s'en critique à l'endroit de lui-même comme président de la République. Et comment te wè Jovenel Moïse dans le premier moment, yo, puisque là, on a parlé de un ancien premier ministre. Est-ce que tu as senti qu'il y a une certaine cohésion dans le genre dérapé pouvoir? Est-ce que le langage du candidat Jovenel Moïse, ou tu as commencé à retrouver dans et l'action même du président? Bon, ou moun pa à l'université ou pa à l'école pour venir président de la République, c'est des fonctions, surtout dans le pays de Haïti, qui a toute qualité difficulté, toute qualité problème qui a pour résoudre. Jovenel pas de gagner vraiment aucune expérience dans le domaine d'expérience politique, mais elle a gagné un peu de volonté de vouloir bien faire. Donc, il était bien entendu appuyé sous des alliés et politiques que elle a gagné. Ça, c'est ça, moi-même, moi, j'ai percevoir de monsieur. Il était appuyé en pile sous l'ancien président Martelly, il était appuyé en pile sous structure PHTK, et lui-même, il était, ouais, c'était une équipe. Et pour nous dévancer. Donc, ça veut dire que, début, bon, c'est normal tout, parce que quand même, monsieur rentré dans une structure, monsieur rentré dans une sorte de, comment dirais-je, un format, qui était là déjà, et monsieur était jugé que bon, l'étape suivre le format pour le décavancer. Donc, moi-même, c'est comme ça, m'dé, ouais, les débuts de Jovenel. Bon, ça a été quand même début Jovenel l'action. Mais ou senti quelque part, li commencé jouer une frappe, l'opposition a frappé, pays lok, etc. Dans quelle période Jovenel bral commencé comprendre nécessité pour que li sollicite conseil yo? Dans quelle période? Non, pas de période spécifique. Ça dit que et conseil tout, c'est pas des conseils structurés. Ça dit que c'est et me dit et c'était plus le te besoin bagarre, mais le te besoin information, mais le te besoin qu'on a bas spécifique d'un bas ou d'un autre. Il te carré les mêmes, il te toujours dit ça tout depuis premier jour. Bon, il te fait le plus à la fait qu'au début, mais c'est pas comme si nous avons une période côté que nous pas bien, ou nous devine bien, mais pas du tout. Ça va pas du tout. Même te dit ça depuis le début, que moi-même, moi était là pour me bas le conseil basé sur l'expérience que me fait quand même. Et près de 2 ans et demi et dans la primature, donc une série d'expériences que j'ai acquises. Et je pense qu'à l'époque, tout le monde voulait poter coller pour réussir. Parce que réussite, c'est réussite d'Haïti. Et je pense que, bon, moi-même, j'ai travaillé en pile pour payer à te réussir, pour bailler à marcher. Et surtout dans le domaine sécurité, surtout dans le domaine kidnapping, surtout dans le domaine lutte contre gang. Donc tu as un pile de appels que nous fait sous question ça. Il était besoin mandé mité Jovenel Moïse, un personnage réceptif. Est-ce que l'obal conseil l'entendait et l'appliquait? Bon, ça écoute, ça dépend parce que nous connaissons le président te gagne et bon, me dit que certains oui, certains non, ce qui est normal. Donc ça dit que certains conseils de qu'on parle l'élite qu'on écoute certains l'autre bail et puis c'est plus des renseignements qui besoin il était besoin qu'on débat spécifique mais nous pas de gain on relâche comme si m'dazou de conseiller parce que je n'ai jamais été conseiller du président. Ça dit que m'pa jamais comme si m'dazou n'en parlait OK vinn nan réunion ou bien dans cabinet ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est des bail ponctuels quoi que l'était plus puisé sur expérience passée moi que toute autre chose. Moi pense que ou connaît Michel Martelly assez et comme le parrain de Jovenel Moïse, parrain dans le sens que c'est lui-même qui t'a fait choix de Jovenel Moïse, mais ça arrive de très souvent gain des monde qui indexé l'équipe PHTK et ou connait Mounio, moi certain qu'on connait Mounio, tu travailles avec tes proches. Est-ce qu'on pense que tu as gon raison parce que bon, ou connait ça autant que moi que Michel Martelly était passé Jovenel Moïse pouvoir pour être capable de remettre en 2022. Est-ce que pense que dans le fonctionnement Jovenel, il était commencé en tijan pas dans route PHTK puisque ou c'est un personnage qui a une idée de qui ça PHTK. Est-ce que pense que à des moments ou à des époques Jovenel Moïse était dérouté de feuille de route li? Bon, et alors PHTK
c'est sous bannière PHTK que le président Jovenel est allé dans l'élection. C'est PHTK qui était pratiquement contrôlé des cas du Parlement. C'est eux qui ont gagné plus et sénateurs avec députés et dans le Parlement. C'est PHTK qui était au pouvoir. Donc, ils ont mis le Jovenel au pouvoir. Et en pile dans le directoire PHTK, tout est conseiller président dans le palais. Donc, ils ont été touchés pour être bal conseil, ils ont été touchés pour être pratiquement accompagnés dans la politique. Li. Donc, moi-même, t'es gain certainement une fois entre Jovenel et PHTK, mais plus nous avons dit PHTK envers Jovenel, parce qu'il y a un pile dans le projet qui était cher à président, mais projet ça n'est pas nécessairement aussi important pour tête PHTK. Donc, là, moi, je juge que Non, non, probablement. m'da mon plus clair dans ça. Ou dit que Jovenel te gen wout pal, et puis structure PHTK ou bien directoire PHTK te gen pour wout pal ou tout. Bon, ça veut dire que, écoute, sous Wannick Allé, ou t'as dit, et prise de position PHTK, ok, en pile la prise de position, que ce soit, par exemple, pour question de élection ou même, ok, date élection, date référendum, t'es gagné des divergences. Et c'est des débats qui documentés. Ça veut dire que c'est des interviews qui faites, c'est des débats qui publics. Donc, moi-même, c'est ça que personnellement, que moi-même, j'aime capable de comprendre. Et surtout, et divergence sur Vin Picler après la mort du président Jovenel. Donc, c'est là que moi-même, je ne suis pas d'accord et je trouve que li pas normal que ou vini, ou mettons mon président, ok, ou ap travail nan palais comme conseiller. Et puis, journée jodi a, par exemple, c'est pas PHTK qui devant ban nan. Quatre de justice pour Jovenel. C'est pas PHTK qui c'est PHTK qui était doué s'ouvrir à organiser aujourd'hui à la un an la mort à commémoration. C'est PHTK qui s'est parti. Parce que Jovenel Moïse et ceci dans n'importe quel pays du monde, Jovenel Moïse élu sous bannière PHTK. PHTK lui-même président mouri, PHTK était doué prendre défense. OK de Jovenel pendant et à pendant que le dé en vie et surtout qu'on y a parce que nous pas qu'à nous arriver dans une situation que côté moun qui te conseille lui qui te n'a pas acheté qu'à côté yo aujourd'hui donc pour moi-même c'est Ou mon paranormal. te ka même questionner côté même moun qui te mette là, puisque yo là, par exemple, côté Michel Martelly, côté toute structure en général, ou te ka toujours poser question ça. Mais Laurent Lamotte, il y a un point extrêmement important que je vais regarder ensemble avec vous là. Il y a des moun qui disent dans l'opinion, et question est courant, question dossier sous général là, ou c'est yon nan moun qui te kon conseiller président sous dossier ça, puisque nous songe ou ta.